Beaucoup Mauriciens donc sont concernés par cette situation qu'on appelle cause la drogue. Et n'a cette volonté des autorités pour mener le combat. Une tâche difficile, certes, mais avec la collaboration de bonne instance de répression, le travail se fait sur le terrain. D'ailleurs, l'année 2019, finalement l'année, nous capables de dire, l'année de record en termes d'arrestation et de saisie de drogue. Nous connaissons finalement le rapport Lam Changlin en 2018, puis le National Drug Control Master Plan 2019-2023, et que finalement le rapport du National Drugs Observatory tout récemment. Et que pour mieux comprendre le travail de collaboration, le travail de répression et le travail de soutien qui peut faire l'autre terrain, nous peut réunir ce soir nous ben l'invité, Nudor Bandou, Dinat Singh Mangla, Imran Danou et Tegarajen Souben avec nous sur le plateau. Mais aussi, nous sommes avec nous, mon collègue Djalila Hassenali. Bonsoir Djalila. Bonsoir Thierry, bonsoir bonne invité, bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous depuis la case. Depuis hier, nous finissons Diaouli, si ou aussi ou envie participe dans cette émission-là, ou capable d'avoir nous ou une question par SMS ou soit WhatsApp, le 59 44 69 00. Nous avons invité pour adresse ou une question. Nous avons déjà gagné beaucoup de questions depuis hier. D'ailleurs, nous capable déjà cause de N questions déjà, qui peut revenir sa coup parmi les questions qui nous peut recevoir. C'est souvent la police attrape un petit consommateur à la drogue et pas ban mositli, gros requin. Fin de citation. Qui fait ça? Bon, capable de répondre à cette question-là. Vous connaissez, stratégie est de là-dessous, fin changer. Fin dire que consommateur, il y a un maillon dans le réseau. Trafiquant, ils font partie dans le réseau. Mais seulement, fin, il y a beaucoup d'arrestations des consommateurs, mais aussi la stratégie de là-dessous, fin changer. C'est-à-dire deux dernières années, trois dernières années, et fin faire beaucoup de drug dealing cases, quand fin arrête dans un échelon plus haut, pas seulement ban consommateur, mais fin arrête ban trafiquant, mais plus haut encore, ban boss. Ce qui fait qu'il y a une statistique qui est vocale de nous, et ces dernières années, nous remontons la filière et nous détruisons beaucoup ban réseau. Donc, nous finissons aussi comprendre Tegarajen Souben, qui, justement, l'année 2019, finit l'année record comparée à la précédente année, mais n'empêche, la drogue est toujours bel et bien existée. Connais, Thierry Mobudjouen a fait, connais, la tâche principale de là-dessous, c'est pour diminuer la prolifération de la drogue. C'est un travail qui est aussi pour disrupte sa ban offense qui est associée à l'activité de la drogue. Notre objectif principal, c'était tout le temps, et depuis l'ALZO existait, c'est pour adopter une zéro tolérance vis-à-vis de la drogue. Et c'est un travail acharné qui finit commencer depuis des années, depuis l'existence de l'ALZO, et finit continuer avec les ressources qui nous finit gagner, qui finit escalader nos ressources en termes humains, en termes équipements, en termes ordres, et qui finit, amène-nous à faire plus de saisies les années remontant, c'est-à-dire, moi, vous dire, pas seulement les années 2019, mais le record des saisies finit plutôt l'année 2018 et il finit monter 2019, que c'est la grosse saisie et aussi bon nombre d'arrestations. Mais le travail là, moi, vous dire, qui travaille là, finit une tendance, la tendance finit monter. Oui. La drogue, il y en a beaucoup, mais Al-Soud met beaucoup de ressources en termes d'équipement, hommes et tout bas les autres facilités pour faire beaucoup d'arrestations. Mobudjouen a fait à l'aéroport en 2018, dans les années de record, le nombre d'arrestations que je fais à l'aéroport. Moi, principalement, je me postais à l'aéroport. Les années précédentes, finalement, l'arrestation. Je ne vais pas dire que je partais dans la drogue, Maurice, mais les années 2016, 2017, 2018, 2019, nous trouvons que le nombre de trafiquants qui finissent arrêtés à l'aéroport, des mules. Je me donnais un chiffre, l'année 2018, c'est de 69, 2019, 54, comparativement avec les années précédentes. Ce qui fait qu'il me dit où, et là-dessous. Et même présence, quelque part. Et même présence sur les terrains,
Dans les points entrants en Côte d'Ivoire, puis rentrer, c'est pourquoi Pékin a ce résultat-là aujourd'hui. Imran Danou, donc, où connaît cette réalité au niveau de la consommation, au niveau centre Idriss Goumani, ou qui interprétation ou donnée quand le Pékin consommation de drogue valait du jour sur le terrain à Maurice. Donc, bonsoir Thierry, bonsoir les invités. Autant qui, là-dessous, est capable de quantifier la quantité des drogues illicites, de Bécose, la drogue illicite essentiellement, mais la drogue qui n'est pas permissible de consommation dans le pays. Mais d'autre part, quand nous guettons l'axe d'intervention dans la lutte contre les drogues illicites, ce que nous appelons réduction de la demande, prévention, traitement, réhabilitation, réduction des risques, nous venons un chiffre par rapport au phénomène. Bon, c'est vrai, il y a une recherche de Sentinelle qui finit faire, comment est BBS, mais nous venons l'étude de prévalence qui finit faire, quoi qui le Drug Control Master Plan, il recommande l'étude de prévalence pour nous capables de déterminer donc, la consommation des drogues illicites dans nos pays. Mais ceci dit, moi pour dire qui. Quoi que le National Drug Observatory, qui est sorti en 2020, les premiers chiffres 2008, il cite le rapport IBBS de 2017, il mentionne 6 000 injectés à la drogue. Moi, je estime, je base moi le treatment seekers, je suis qui vient suivre le traitement dans mon centre, je base moi qui a le domaine institution, et je base moi je qui nous joue l'outreach. Je estime, moi, qui, par rapport à ben injecteur de drogue et un autre qui nous a indiqué dans Maurice, c'est évidemment l'héroïne frélatée, donc le brown sugar. On estime qu'il y en a en 10 000 à 12 000 injectés de drogue dans le pays. D'autre part, si nous guettons une nouvelle drogue de synthèse de la famille cannabinoïde, et nous trouvons que le niveau d'admission dans l'hôpital psychiatrique, il y a à peu près 77% si nous prenons un chiffre qui fut cité en 2018. Mais c'est moi, mon pensée, ce chiffre-là, il est beaucoup plus grand. D'ailleurs, je te dis récemment dans une interview, le sac 10 du monde qui vient côté moi dans le centre Goumani pour une demande de traitement par rapport à un soin, 60%, on va le dire cette année, 2020, 60% c'est ben consommateur d'héroïne et 40% c'est ben consommateur synthétique, ben nouvelle drogue de synthèse de la famille cannabinoïde. Donc, je pensais que la situation est vraiment sérieuse. Et d'ailleurs, Penanzou qui passait dans nos pays, que nous trouvons ben, une gros arrestation. Qui est fait dans nos pays. Et mais quand même, quelque part, on réjouit qu'il y ait quand même une arrestation. Non, je suis content qu'il y ait une arrestation, mais mon imaginer aussi, Thierry, c'est qu'en économie, on a fait appel à l'opportunity cost. C'est-à-dire, si pas tu as une arrestation là, donc automatiquement, ça va être une loi marché. Bon, comme, malgré tout, une arrestation qui est faite, mais bon, la drogue-là, mais continue à rentrer. Vous connaissez, si nous prenons en moyenne 10 000 consommateurs de brown, 10 000 injecteurs de brown, on fait un petit modèle mathématique, l'équivalent à 900 000 doses de brown sugar par mois, qui est équivalent à 22 kilos de brown sugar qui nous bisait pour alimenter l'addiction de sa 10 000 injecteurs à la drogue, si nous prenons à 10 000. Donc, ceci dit, il y en a beaucoup la drogue dans le pays, malgré tout arrestation qui est capable de faire. Mais la drogue-là, continue à rentrer. Et justement, ça amène-nous justement à cause de travail de collaboration. Définitivement. Vous connaissez où, au niveau au centre, nous ne pouvons pas faire travail là tout seul. Bien sûr. La police là-dessus, nous ne pouvons pas faire ce travail là tout seul. Nous connaissons MRI, amène ce pierre à l'édifice, et amène les autres instances, amène les autres organisations. Peut-être nous pouvons réélaborer là au cours de l'émission. Ceci dit, j'ai envie d'ajouter, c'est que ben, ONG, donc mon fonds partie, la société civile, nous avons trois du monde à côté de moi qui représentent l'État. Oui. Donc, moi, mon fonds partie, la société civile, moi, je travaille à Colta, comment dire. Mais ou ça va être des choses avec un autre gars. C'est mon ben allié. Hein? Ça va être du monde là, c'est mon ben allié. Forcément. Mon dos, depuis des aspects, c'est mon ben allié. Sans eux, travail ONG n'a pas fait travail. Et eux aussi, sans ONG, ils n'ont pas fait travail. Donc, nous capables de dire qu'il y a une synergie donc, entre l'État et les forces civiles pour nous capables de résoudre ce problème-là. Et il y a une collaboration qui va perdurer au fil des temps et au fil des différents gouvernements. Avant de donner la parole à Tegaradjian Souben, peut-être que vous venez avec Mme Noudor Bandou, nous connaissons conseillère au niveau du bureau du Premier ministre dans sa CISELA. Dis-nous, travail collaboration, comment peut-on faire? Nous connaissons plusieurs instances. Hein? Moufek mentionné, MRE, la police, l'ADSU, société civile. Donc, où qu'il est de donner ce travail de collaboration qu'il peut faire pour venir à bout de ce combat-là, hein, pour amener ce combat-là? Tout à fait. Donc, comme Imran peut dire, nous ne pouvons pas travailler en silo. Donc, c'est qui, premières affaires qui le PM il met en place, c'est qu'il met un council qui lui-même il tire ça. Donc, dans ce council-là, nous PM, le PM est le pays
gagne toute une expertise de ban ONG, de ban l'administration, ministère, de private sector, ban secteur privé aussi qui déjà peut faire un travail sur la question des drogues. Et il y en a aussi un représentant UN qui est dessus. Donc, nous designons sa première initiative là. Donc, depuis l'année dernière, nous commençons à faire une réunion dans le council et que nous sommes capables de prendre une décision en haute instance et qui démontrait la conviction du PM qui répond à la drogue. Il n'est pas une réponse d'une seule institution, mais il est bizarre d'un affaire qui n'a pas un multisectoral approach. Donc, ça, c'est à the highest level. Bien sûr, ce qui est important maintenant, c'est comment nous découlons ça en bas, comment les autres institutions en bas sont capables de fonctionner. Bien sûr, pas tout le monde qui est dans ce council là. Donc, nous mettons un comité technique avec l'expertise de chacun là-dedans, qui est capable de répondre à chaque élément dans la réponse à la drogue. Par exemple, on a un élément, on a un comité qui get this répression, comment on est capable de réduire supply la drogue dans le pays. On a un comité qui get, par exemple, prévention. On a un comité qui get réduction des risques. Comment on va empêcher un démon infecté, malade ou mort pour manier des complications dues à l'injection ou à l'utilisation des drogues. Extrêmement comité très important parce qu'il permet aussi sa travail de collaboration là, mais aussi de partage et gain sa synergie là pour nous connaître par exemple ben il y a tel étude qui est in the pipeline ou il y a telles affaires qui peut faire côté moi ben tu as tel prédicateur côté moi ben qui fait nous pas capable faire amener ça combat là ensemble d'autres telles affaires donc il permet vraiment sa collaboration là sa conversation et sa collaboration sa synergie sa interaction là il est primordial pour mener sa combat là quelque part tout à fait réponse à drogue il pas capable de centrer l'institution, et c'est ça qui la création du National Drug Secretariat au fait, c'est justement ça, c'est assurer sa coordination là et sa dialogue qui est nécessaire entre l'institution. Et plus important encore, Thierry, c'est aussi le suivi, le monitoring qui est nécessaire pour qu'il nous connaît, qu'il réponde à notre continuité, qui continue d'arriver, qui nous paye, qui va challenge qui nous est là et comment nous capables facilite les choses. Pas capable de travailler en isolation, Dinatsing Mangla. Nous connaissons qui est Maori aussi, amène ce coup de pouce, il fait ce travail lui aussi. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'arrestations qui est Maori faire, beaucoup de suivi qui est arrestations qui est Maori faire, en collaboration avec là-dessus, avec les autres instances, la police. Bien sûr. Laisse-moi mettre dans une perspective. Mm-hmm. Vous connaissez la douane depuis tous les temps. L'utilise la first line of control dans tout pays. Mm-hmm. À the border, c'est la douane qui est première ligne de contrôle. Et nous avons exclusive power in the customs area. Donc, tout ban impôt, tout ban passager qui rentre dans le pays, c'est la douane qui contrôle le premier. Mm-hmm. Bien sûr, nous avons une collaboration là-dessous, la police, tout ça là, mm-hmm. mais c'est nous qui contrôlons tout. Mm-hmm. Donc, avec les temps, auparavant, dans les années 80-90, nous travaillons un petit focus sur la collection of revenue. Mm-hmm. Avec les temps, tout ban ministre finance qui vient, zone diminuer les taxes on a lui-même. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons la plupart de produits, 95% de produits, dans quelques livres. Donc, la douane nous vient réorienter, nous vient sans nous focus. Nous sortons depuis dans revenue collection, là, nous faisons border control mm-hmm. et protection of the society. Mm-hmm. Donc, dans cette optique-là, la MOA, il met une unité, une section spécialisée qui nous appelle l'ICANS, mm-hmm. Customs Anti-Narcotic Section, mm-hmm. en 2016. Quand nous mettons cette section-là, nous mettons un officier qui est bien trained, avec une capacité qui est notre detection ability. Nous faisons beaucoup d'arrestations. Nous sommes capables de dire nos arrestations triplées mm-hmm. comparées avant 2016. Et bien sûr, tout le cas qui nous fait, nous renouvelons avec là-dessous, as per the DDA. Mm-hmm. Et là-dessous, nous faisons ce travail. Bon, M. Souben, pour dire aux autres, qui compte l'arrestation, nous allons faire. Tout à fait. Donc, nous sommes capables de venir la semaine d'arrestation au cours de l'émission. D'ailleurs, nous avons un reportage qui a accès à leur volume d'arrestation, une saisie qui vient faire avec Valère, donc marchand de la drogue qui vient saisie. Mais nous connaissons cette thématique-là, elle est tellement vaste. Nous sommes capables de causer beaucoup de choses et tourne autour du pot sans même peut-être toucher un sujet important. Mais avant qu'il nous aille plus loin, il est bon qu'il nous dise aussi qui, zo dizo, nous peut tant causer énormément la drogue synthétique. Peut-être, avant qu'il nous guette le reportage qui finit de réaliser, nous essayons de comprendre écoute, rapidement. Quand nous pouvons causer la drogue synthétique, quand nous pouvons réfléchir à la drogue synthétique, le seul Mauricien, Imran Danou, qui ça fait où? Qui vous pensez? Bon, déjà si nous guettons la terminologie synthétique, peut-être non, il y a un saint là-dedans.
Ça y est, nous vient ça y est. Non, c'est ça. Bon, synthétique, c'est un produit chimique. Modifié, arrangé. Qui mène, mais de notre différent. On appelle ça une nouvelle drogue de synthèse. Si nous disons nouvelle, il implique une réflexion qui tient à. Ben, si c'est une drogue synthétique, une drogue psychédélique, existait depuis les années 80. Donc, c'est à partir de 2013 en Allemagne qu'il nous trouve l'apparition de produits, ben nouvelle drogue de synthèse. Mais nous avons différents la famille Thierry, mais si on pose sa question là, mais seulement le synthétique qui nous est là dans Maurice, c'est une substance qui nous appelle ben synthétique agoniste cannabinoïde récepteur. Il est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous avons une substance qui nous appelle cannabis. J'espérais nous gagner un petit moment quand même cause fait, de cannabis. D'ailleurs, parce qu'on pensait nous besoin de débat dépassionné sur ça. Le cannabis, donc le principe actif du cannabis, c'est le tétrahydrocannabinol. C'est ça qui, quand tu m'en apprends, il y a un effet. Un effet par rapport à sa conscience. Donc, c'est une nouvelle drogue de synthèse de la famille cannabinoïde qui, en siècle, est la chambre à Maurice. C'est une substance qui est nocive, qui est létale, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuse que le natural THC qu'il y a dans le cannabis. Donc, il imite le THC naturel quand ça THC labial dans le récepteur, dans le cerveau. Donc, il imite lui. Donc, ce qui fait que quand l'IBM imite l'IBM, donc, ce l'effet, il est multiplié par un coefficient de 100 en termes de quelque chose qui est nocif. Alors, ceci dit, il y a une grosse problématique. Et pourquoi ce problème de synthétique-là, si nous ne pas adresser comme un besoin, il est extrêmement fatal pour nos pays. Parce que quand nous avons cause synthétique, vous imaginez, là, nous avons côtoie la mort. Vous voyez, Andy Moon, par exemple, qui prend une forte concentration d'un opiacé, l'héroïne est un opiacé, correct. Donc, ça dit mon là, il y a une dépression respiratoire, quand nous bien mené l'hôpital, il y a tout un protocole, par exemple, l'analoxone, qui du point de ministre élite, du monde là, pour regagner ce élément vital. Tandis que par rapport à synthétique, nous pas foutu connaître qu'il y en a là dans le traitement, là, il est symptomatique. Et the very first puff qu'un du monde prend par rapport à synthétique de la famille cannabinoïde, il est capable fatal. Très bien. Imran, là, nous, avant qu'il nous aille plus loin, nous pouvons un reportage qui allait qui nous pouvait côte finale tournée dans le centre d'accueil de Terre Rouge, côte une jeune qui accro à drogue synthétique, elle finit causer que nous, il y a aussi le responsable du centre. Mais à nous, le premier reportage qui finit réalisé, après nous pouvons bien évidemment avec vous, l'approche gouvernementale par rapport à la drogue synthétique de manière générale, à nous, le premier reportage qui finit réalisé, puis nous pouvons aborder une série de questions avec Djalila Hassenali, le premier reportage. Depuis commencement de l'année-là, jusqu'à le 30 novembre, la police fin arrête plus de 1000 personnes pour un cas qui a trait avec la drogue synthétique. La majorité là-dedans est entre 18 et 30 ans. Ça représente une hausse drastique comparée à 2013 à cause de sa sifla, 6 personnes qui t'y arrêté. Pour lutter contre sa fléau-là, le gouvernement travaille sans relâche. D'ailleurs, dans Goodlands, samedi dernier, dans le cadre d'inauguration 5e Muga Mauritius Telecom, Premier ministre Finsalier travaille ban élément là-dessous qui mettent la vie en danger pour combattre ban mafia la drogue. Depuis 2014, qui nous dans le gouvernement, nous permettons un combat sans relâche. Nous faisons une saisie record, nous faisons une commis arrestation. Avant, pas tu peux tendre ça. Avant, tu as un gouvernement travailliste PMSD qui tu peux soutenir sa bande mafia là. Qui ne tolère. Il ne laisse autres faire autre commerce librement. Moi, je veux toujours saluer le travail de là-dessous. Et je veux toujours donner autres l'encouragement qui est bizarre. Et je connais, grâce à sa volonté politique qui nous est dans là, comme Premier ministre au gouvernement, notre morale bien bien fort, et notre plus qui est déterminé pour nous continuer dans sa mission-là. Laissons encore une fois nous saluer notre travail, parce qu'ils ont mis notre vie en danger. Ou pour rappel aussi qu'en mars 2019, Premier ministre y participe dans un débat ministériel dans Vienne pour 72e session commission ban stupéfiant. Pour ça l'occasion-là, Pravin Kumar Jugnauth fin cause le ban dispositif qui Maurice fin met en place dans la lutte contre la drogue. Il fin aussi cause la nécessité et a une réponse concertée dans nos régions et dans les mondes. One of our main challenges in Mauritius is the establishment of a well-structured psychosocial support for drug users.
We see drug users as fellow citizens who deserve our support. We want to help them to overcome this addiction, and our ultimate aim is the rehabilitation and social integration of drug users. Thus, it is imperative to, alongside repressive actions, to develop and implement a health-based and a person-centered approach to support those in need with social and economic measures. Thank you, Your Excellency. D'autre part, selon rapport Statistics Mauritius qui fin publié récemment, en 2019, parmi ben type la drogue qui fin saisie, fin gagne plus que 432 kilos en ce qui concerne l'héroïne, cannabis, cannabinoïde synthétique et ben les autres la drogue, en hausse comparé à 2018 à Côte Sassifla, qui descend 63,5 kilos. Donc, Djalila Senali, ou avec nous pour une série de questions de téléspectateurs qui finissent à poser. Oui, Thierry, nous finissons beaucoup de questions. Et s'il y a tout beaucoup de questions aux enfants à l'école, d'abord, les crages depuis la Louise, peut dire qu'il y a une perception qui est beaucoup zénée dans l'école, peut tomber dans synthétique. Est-ce qu'il n'y a pas mettre un système d'énonciation pour les élèves même et assis à d'autres protections après ça? Et que les crages aussi demandaient si l'autorité concernée fait un landing dans l'école pour check sac, etc. C'est à des enfants qui exposés à la drogue synthétique. Moi, je suis content. J'ai une affaire, je connais la drogue synthétique. Mm-hmm. C'est un poison. Moi, c'est un cancer. La drogue synthétique, comme mon camarade Imran India, c'est une drogue qui a une diversité chimique. La loi, et là, la loi, d'après Didier, Didier même fait amender trois fois. En 2003, en 2013 plutôt. Partie la provision pour la drogue synthétique, fin introduit la drogue synthétique, synthétique cannabinoïde et catinone dans cédule 1. En 2015, il y a un jeune qui commence à prendre un tranquillisant pré-gabalin. La loi fin fait provision pour sévir contre le pré-gabalin parce qu'il y a une tendance, qu'il y a un abus sur le pré-gabalin. En 2019, le Didier fin il changeait encore. Les autorités ajoutent sa diversité chimique qui tient là, qui n'est pas capable de faire trop d'autres dans une cellule que Adsou pour bien servir et que capable de faire une arrestation. Maintenant, avec un paramètre de la loi là, Adsou finit aussi faire un travail de conscientisation. Pareil comme Imran Indien aussi nous fait réduire, ça peut nous faire réduire d'Iman aussi, mais ça va nos enfants-là, nous faire une campagne assidue avec eux, ensemble avec les ONG, ensemble avec les autres autorités, nous conscientiser eux. Nous devons penser que ça va nos enfants-là, c'est juste une campagne de sensibilisation qui est capable de tirer eux là-dedans. Maintenant, on a des enfants qui les ont affectés pour une raison qu'ils ne connaissent. Par exemple, Pierre Prêche, Henri fait une expérience et tout ça va nous affecter, nous les a connus là. Mm-hmm. Mais malheureusement, quelques enfants tombent là-dedans. La police nous met beaucoup l'emphase dans nos campagnes de sensibilisation, mais nous sévient aussi quand on a un cas, parce que dans l'école, il y a un protocole. Parce que les enfants, pas quand on est sévié, on est arrêté les enfants. D'abord, nous mettons l'emphase dans nos campagnes de sensibilisation, mais c'est là pour sévier. D'après les protocoles que le ministère de l'Éducation fait établir, et protocole de la police, nous faire. D'abord, nous ne pas arrêter les enfants là, nous avons une raison ensemble avec la CDU. Ensemble avec l'agent, l'agence, nous guetter, comment nous sommes capables d'agir. Mais arrestation. Pas faire pour les enfants. Pas faire pour les enfants. Maintenant, en dehors de l'école, je dis vrai. Quand on peut arrêter ça, ce n'est pas les enfants qui peuvent venir affecter ça. Nous faisons pas trop continuer en dehors de l'enceinte de l'école. Vous avez complainte, et dans une réunion parents, enfants et la police. Qui donne nous un renseignement. Nous avons un renseignement social, nous avons un renseignement avec l'informateur. C'est-à-dire, vous essayez de coordonner l'école qui est affectée avec les enfants qui sont affectés. Mais c'est-à-dire, il y a une présence assidue sur le terrain pour contrôler la situation. D'abord, pour empêcher les enfants rentrer là-dedans et aussi sévir les gens qui peuvent venir
influence avant d'en avoir dans le système. Très bien. Et nous connaissons aussi que Crime Prevention Unit fait un travail de sensibilisation dans les écoles au niveau de la sensibilisation également. Peut-être une autre question avec vous, Djalila Senali. Oui, donc, il y a Ashok depuis Maïbou qui dit nous pouvons ben, saisir la drogue pour milliards à ce terre. Tout ça, la drogue, là, côte de Talé, et que, est-ce qu'il détruit toute la drogue qui saisit? Et Ridouane, il peut même demander est-ce qu'il y a un cas que l'officier, donc la police, même fin gay trappé, la cause de fin prend la drogue qui fin saisie, qu'il y soit pour vendre ou soit pour consommer. Pour répondre à sa question, hein, vous connaissez tout bon cas que la police qui a rapporté, elle a une procédure. D'abord, ça la drogue là, on va aller FSL, nous gagnons un rapport FSL, nous complète le dossier. Joue le cas à appeler devant la cour, ou produire ça la drogue là, ça exhibite là, ou qu'il soit le compléter. S'il y a une sentence qui est accusée vers l'accusé, ça la drogue là, il faut fuir. Ça haine. OK? Là, les responsabilités de la cour. Maintenant, on a la drogue, par exemple, on a cultivating de ganja qui est déraciné, et ben les autres drogues qui sont sous sécurité, qui peuvent être accusées, ça bande la drogue là. Et un jour, par exemple, surtout ça, le cannabis, vous pouvez penser que sinon, il y a plus l'eau sur le cannabis. Hein. Tout ça bande la drogue là. Que ce soit la drogue qui, après, faut au fiteur, d'après, et sentence la cour, ça bande la drogue là, brûlée. Maintenant, brûlée, pas seulement la police qui brûle ça. Brûlée devant toutes les autorités, la représentante du FSL, le représentant du parquet, et toutes les représentantes de bonne instance, ça. Maintenant, le grand public, pas pour qu'on invite le grand public, mais on a bien des fois les médias qui sont invités, qui viennent suivre et trouver, et en toute transparence, détruire tout ça dans la drogue. Il n'y a aucun drogue qui garde, il n'y a aucun drogue qui ne saisit. Si par exemple, il arrête un policier, à cause d'un arrêt d'un policier, prend la drogue là, garder quelque part. Donc, c'est toute une procédure légale qui suit et jusqu'à ce qui arrive la terminaison pour détruire la drogue. Donc, les procédures sont respectées toutes à la lettre. Donc, Imran Danou, vous pensez que vous avez envie de réagir tout de suite à... Je veux réagir parce que c'est le constat qui m'a fait. Déjà, la première question qui... Mademoiselle Ossénali, c'est ça? Une première question qui a gagné, c'est une question d'ordre répressif. Et beaucoup... Ben, du moins, en général, dans inconscient, j'ai une tendance pour penser que réponse à problème de la prolifération de maladies drogues illicites, c'est une réponse répression. Cette répression est importante. Mais répression, tu sais, nous pas capable d'adresser sa problématique là. Après, moi aussi pas envie prendre une approche simpliste par rapport à nous dire l'éducation, sensibilisation, parce que ben recherche a démontré qui ben one-off awareness campaign pas mener un changement de comportement, ça il est clair. À cause même qui me croit quand nous cause prévention, Thierry, et là aussi ben les autres camarades plus d'accord avec moi, il est un peu plus large. Parce que prévention, ce n'est pas juste l'information, scary approach, faire du monde pair. Ce n'est pas ça. Prévention, c'est aussi une politique de loisirs. Prévention, c'est conditions de vie de man du monde. Prévention, c'est aussi une alternative aux drogues. Prévention, c'est faire man du monde besoin rêver dans la société, besoin de la vie meilleure. Prévention, c'est autant une petite chose qui fait qu'il faudrait qu'il y ait un du monde qui a une mallette, qui générait par sa société dans laquelle nous vivons, là, le modèle économique que nous vivons, faire ce qu'il dit, là, faire l'expérience avec sa produit. Il ne fallait pas nous penser qu'il existe l'information en lui-même ou bien existe la rêve. Parce que nous sommes d'accord qu'il y a une société sans drogue, c'est une utopie. Oui. Jamais, nous ne sommes pas capables de dire que dans Maurice, pas plus aucun du monde pour consommer un produit. Mais mon pensée, ce qui est important aussi, c'est revoir aussi nos politiques par rapport à ça et m'espérer que tu allais nous donner la sens. L'espérer rapidement. On va faire un point d'œil à l'advisor du PM. Et peut-être, Tegarajan, ce ben capable de rebondir aux questions Ridouane, qui peut dire est-ce qu'il y a un cas de ban officier et il est attrapé, donc qu'il prend la drogue saisie pour revendre ou ça consommer? Malheureusement, on n'est pas à l'abri. Malheureusement, oui. Bon, vous avez dit oui, il y a une brebis galeuse, mais on n'est pas capable de prendre tout ban officier de police, tout ban officier de l'ordre, si on me donne seul panier. Malheureusement, il paraît que m'a dit un panier où met un dédié gâté là-dedans, les restes, on va comprendre tout dédié, tout dédié fin gâté. Malheureusement, oui, mais seulement, la loi, il fait ce coup, il fait une arrestation et permet une bande d'immunité devant la cour, c'est-à-dire, même procédure qui n'importe qui, c'est-à-dire devant la loi, tout du monde égal, la loi
nous appliquer nous dans toute sa rigueur pour tout le monde. Dans toute sa rigueur pour tout le monde. Très bien. Nous connaissons aussi Nudor Bendou, Konupé Cause, justement, réponse d'ensemble, une réponse d'ensemble, Konupé Cause, combat contre la drogue. Dans le contexte mauricien, ça implique qui? Qui mène Dimoun qui, selon où, bien, involve de sa réponse d'ensemble, Konupé Cause, la drogue? Donc, avant de répondre, nous, qui mène Dimoun, nous bien connaît, mais qui réponse là, qui dit ça? Nous réponse à la drogue, donc, une National Drug Control Master Plan, c'est un plan d'action qui finit travailler par les stakeholders qui involve directement l'eau qui sont la drogue. Bien sûr, il y a un ministère, mais il y a aussi un centre, un ONG et un secteur privé qui travaille avec un usager de drogue. Et quand nous faisons ce plan-là, qui pour 2019 à 2023, nous faisons déjà la vision, c'est « safe and healthier Mauritius ». Ça veut dire un pays qui est safe, en sécurité et en bonne santé, « healthier ». Mm-hmm. Donc ça, c'est la vision. À ce stade, qui va une stratégie qui travaille, il est basé sur quatre stratégies. Première stratégie, il y a tout ce qui est supply reduction. Ça veut dire qu'on va nous empêcher la drogue rentrer et diminuer l'offre. Deuxième, c'est la demande. Ça veut dire tout ce qui est prévention, aussi traitement. Mm-hmm. Et troisième, c'est harm reduction. Ça veut dire comment réduire le risque pour les gens qui sont en consommation. Et quatrième axe qui est très important, c'est toute sa coordination et évaluation qui est nécessaire pour qu'il nous donne une bonne réponse à la drogue. Astier qui ban partenaire comme on dit, c'est ban ONG, c'est ban ministère, c'est ban law enforcement agencies comme on dit, ban des gens qui travaillent pour réduire l'offre, mais c'est aussi au centre, c'est ban mauricien. Ça veut dire ban des acteurs qui nous a un dimon un pays qui fait bon vivre. Mm-hmm. Très bien. Donc, nous connaissons Dinat Singh Mangla, Konupé Cause, le combat qui se fait sur le terrain, un combat multisectoriel, beaucoup acteurs et dans son rôle pour jouer. Mais pour qui MRA, il n'a pas fait ce travail depuis quelques temps, depuis que MRA bien dans le limelight au niveau de sa combat qu'il a mené en parallèle avec la police, le travail de concert qu'ils ont fait. Donc, Konupé Cause, effectif, qu'on ne peut causer équipement, qu'on ne peut causer ressources qu'ils ont dénat, qu'ils ont déployé sur le terrain. Est-ce qu'ils ont dénat suffisamment d'outils pour faire ce travail-là? Ils ont au niveau MRA, ils ont assez équipés pour faire ce travail-là. Et puis, est-ce qu'ils, moi, pensez, ils ont suivi d'une volonté qui est sortie depuis là-haut? Et là, quelque part, la volonté politique derrière ça, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Nous, on a support, nous, board, board de la MRA, support du gouvernement, support de nous directeur même. Mm-hmm. Et juste pour avoir moi plus à fond là-dedans, moi, je voulais rebondir sur la première question que madame t'a posée, t'as là, un auditeur t'a posé, concernant les jeunes. Mais nous, à la MRA, nous réalisons qu'il n'est pas suffit qu'il nous empêche la drogue rentrer. Nous empêchons beaucoup de la drogue synthétique aussi rentrer. Mais nous pensons plus devant. Nous disons comment nous pouvons éduquer nos jeunes, comment nous pouvons éduquer la population. Donc, nous pensons, nous pouvons travailler sur une mobile application qui nous pour lancer l'année prochaine. Nous pouvons travailler là-dessus. Qui nous pour donner une bonne information sur tout le type de drogue qu'il y a. Pour les gens qui déjà fini rentrer dans la drogue, nous pouvons dire aux autres qu'ils sont capables de faire, comment pour sortir là-dedans. Nous pouvons travailler des conseils avec les ONG, avec le ministère, avec le ministère de la Santé et tout. Et l'année prochaine, nous pouvons venir avec une mobile application. Mm-hmm. En même temps, nous pouvons travailler sur une autre application encore qui est préconisée par la Commission de la drogue. Qui quotidien que la drogue synthétique, ben importateur nous amène une chose cannabinoïde depuis DO. Mais ici, je travaille, il y a des précurseurs chimiques sur le méthadone. Mais le commissaire, le drug commissioner, il fait une recommandation qui nous besoin de contrôler sa bande précurseur chimique. Nous avons besoin de connaître dans la supply chain qui s'en a qui servi. Et pour faire ça aussi, nous finissons de travailler sur une application qui, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous pouvons travailler là-dessus. Right? Maintenant, pour revenir aux questions qui va l'équipement, nous avons suffisamment d'équipement. Nous avons un speedboat pour contrôler les ports. Nous avons un scanner. Nous avons un scanner presque de tout bon point of entry. Tout bon courrier service dans les ports, dans l'aéroport. Dans les ports et l'aéroport, nous pouvons même mettre un scanner pour que le staff puisse sortir pour aller. Nous finissons ça là-bas aussi. Nous avons un mobile scanner pour scanner le container.
nous avons des container scanner, un qui fixe, un nous capable bouse, nous capable mener n'importe quoi de ça. Plus nous avons un scanner qui dans une van, nous capable bouse, nous amener dans tout un freight station, quand nous capable scan ban petit package, ban petit colis. Right? Après nous avons ban scanner qui handheld, qui nous capable amener quand nous allons fouiller ban bateau tout ça, juste pour nous get densité ban paroi, pour nous getter spinac qui sont cachés là-dessus. Et voilà, nous n'avons pas de niveau MRA de tout y est pour faire ce travail-là. Oh oui. La garantie de niveau. Donc, tu es Karajan Souben, tu es là où tu nous dis que justement, ça a un chiffre qui est assez important de 2019 qui finit là. Nous finissons trouver qui travaille là, finissons commencer en amont hein, depuis quelques années, depuis 2013. Nous pouvons tout de suite nous guetter un tableau comparatif, nous pouvons pas mieux comprendre un peu quelle est un peu la tendance qu'on peut guetter ben, l'année avant, comment elle était et que valeur du jour 2019. Où en sont les choses? Allô, c'est qui beaucoup d'immun pensait qui problème la drogue, papé prend au sérieux, ben chiffre arrestation bien éloquente. La police en particulier, brigade antidrogue, l'y bien mobilisée. L'y mène un combat sans relâche tous les jours. Depuis 2014, l'y fin gagne un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, une nouvelle orientation et surtout soutien chef du gouvernement en personne. Rien n'a pas laissé au hasard. Ben opération zot organisée dans la journée comme dans la nuit, ben descente déroulée dans ben zone rurale et aussi urbaine, ben filatier, ben perquisition, que n'aucun la piste n'a pas resté inexploitée. Ben seul l'objectif suprême en tête, démanteler ben réseau qui empoisonne l'existence tout du monde. Ben mauricien paraît bien satisfait travail qu'il peut faire. Parmi diagnat déterminé pour combattre la drogue. Ça qui m'a content avec lui. Il faut des combats qui ont dû retrouver sa bonne affaire. Là, puis arriver. On voit. Le gouvernement, là, il fait travail. Ils ont dû retrouver sa bonne affaire. Là, puis arriver. Pavin Jagnat, pour faire la drogue, il peut faire ce travail. Ouais, ça peut faire bon, c'est moi, ça plus sévère. Motivé par détermination affichée au plus haut niveau de l'État, soit par Premier ministre lui-même, ça ben élément là-dessous qu'il peut trouver là, zot tout bien inspiré pour donner le meilleur de zot-même dans un combat sans relâche. D'ailleurs, ben différentes déclarations Premier ministre peut témoigner désir pour lutte en toute objectivité pour une société meilleure. Et qui, pour n'a pas laissé sa fléau là, prendre l'ampleur, voire éradique ses racines avec ben zéfo, inlassable, ben autorité. La population connaît ma détermination en tant que Premier ministre et mon gouvernement pour amener un combat contre la mafia à la drogue et le peuple qui a resté assuré qui, évidemment, toute information qui nous gagnait, nous poisir et nous pour continuer ce combat-là. Apporte ben autorité et n'a obligatoirement travail ben parents, ben enseignants, et ben l'association que nous pouvons pas vivre dans une société que nous capable dire la drogue bien loin derrière nous. Une utopie ou c'est une réalité, la drogue bien loin derrière nous, mais quand même la volonté est là, la volonté existait. High Level Committee Law Drugs et High Level Council Law Drugs bel et bien existé. Cause d'un petit peu sur les paramètres dans lesquels ils fonctionnaient, nous dort Bandou. D'accord. Donc le High Level Drugs NHRB Council, c'est un comité qui a la plus haute instance, qui est chair par le PM, et qui permet amène ban policies. Innovative. C'est-à-dire une appréciation nouvelle qui nous capable de dire pour répondre d'une façon bien plus scientifique, bien plus forte, bien plus impactful, la réponse à la drogue. Donc, par exemple, là, nous avons un point qui nous amène dans le council, qui fait reporter par le média, c'est la distinction entre un consommateur et un dealer, un trafiquant, un gros trafiquant. Donc, c'est une affaire qui est très importante, qui emmène towards vers le council qui PM là est capable assier qui van man stakeholders qui dans un council là peut travailler aussi. Très bien. Donc nous connaissons Brandanou qui rôle l'État, qui rôle ben ONG, qui rôle société civile dans sa combat là. Donc nous connaît qui société civile et a un rôle clé pour jouer. Donc mis à part contribution qu'ils ont fait sur le terrain, nous pensons un peu plus loin.
qui est capable de faire, qui est capable de donner, comment tu capable de faire plus ben société civile, ben ONG, pour capable faire aussi travail prévention aller un peu plus loin qu'ils peuvent faire, disons, disons, et aussi travail d'accompagnement surtout. Bon, rendons à César ce qui appartient à César. Et par rapport à ben centre de traitement de réhabilitation à Maurice, nous gagnons un grand support étatique à travers le National Social Inclusion Fund qui aide ben centre bonne affaire, qui fait un bon travail depuis des années. Nous avons un service essentiel. Moi, nous avons un framework, nous donne mentionné un premier framework, c'est-à-dire nous avons un National Drug Control Master Plan 2019 à 2023. Jadis, nous avons un, mais qui n'a jamais fini d'implémenter. Nous avons aussi, Thierry, mon pensée, et nous ne faisons pas une absence à bout de là, c'est la commission d'enquête de sangline qui est fondamentale, mais j'espère que nous avons tous un petit mot là. Ça, mon pensée, nous faisons aussi prendre une recommandation et nous faisons implémenter. Alors, tu me demandes, moi, qui nous capable de faire encore plus? Moi, le fait qu'il y ait du monde de terrain, parce que quand nous avons un maillon problématique, la drogue, depuis sa production jusqu'à la consommation, alpha, oméga, moi, plus côté oméga, au niveau terrain. Donc, moi, je travaille dans l'urgence, donc, je besoin vite, et on a beaucoup de priorité. Moi, je pensais, déjà, il y a un premier début de travail qui va commencer, mais je pensais, il y a des affaires qui sont très, très importantes, nous besoin un petit peu plus vite, nous dehors, je pensais. Malgré, bon, nous faisons comité, nous discutons, nous brainstorm, mais nous besoin aller beaucoup plus vite. Je pensais, l'assassinat de la demoiselle Ragou, il fait un wake-up call pour Ben Dumoun, je me rends compte de l'immensité, de à quel point, disons, Ben Dumoun qui vole dans sa business létale et mortel là, à quel point est-ce capable d'un extrême côté, là, finalement, la mort d'homme. Et, mais donc là, mon pensée qui est très important, nous allons vite, et mon pensée qui nous besoin d'un bain de signal fort. Par exemple, le niveau prévention, les causes d'éducation, aujourd'hui, nous devons être d'accord avec moi, qui nous permet une politique de prévention nationale dans la lutte contre les drogues, une prévention pédagogique qui est bien huilée, qui est professionnelle, hein, pas le bas de bâté, etc. Mais il est très important de nous développer. Donc, bon, apprécié que le ministère de l'Éducation, quand même, il lance un programme très intéressant, le Get Connected. Mais mon pensée, nous besoin encore plus. Même ça fait par rapport à traitement, mon pensée, besoin capable, ben du monde qui a envie, qui dépend de l'eau, ben opiacé, besoin capable de rendre l'eau, ben programme relativement vite. Il y a un problème de dépendance, il besoin capable de rendre le programme de la méthadone, il besoin capable de rendre l'eau, ben les autres, par exemple, programme Suboxone, Naltrexone, besoin réviser sa programme, il y a bien, bien vite. Et pareil, comment donc, dans le même centre, nous avons codéine phosphate, c'est un modèle qui nous baisse la vie, qui nous capable d'améliorer encore. Donc, il y a même possibilité, mais mon pensée, nous besoin un petit peu plus vite. Il est intéressant, comment nous avons déjà un monitoring, très important, c'est un monitoring. Là, nous avons l'argent, nous avons un encadrement, mais mon pensée, nous besoin un petit peu plus vite, parce que c'est qu'arrivé, problématique là, il prend l'autre dimension. Et moi, je ne parle pas d'une logique, comment dire, plus du monde dans Maurice Paul pense qu'il y a une répression qui peut adresser ce problème-là. Si du monde pense qu'il y a une répression pour adresser ce problème-là, parce que ne pas oublier que le 100 jeunes qui nous est là dans Maurice, 100 jeunes qui nous est là dans Maurice, ce n'est pas tous les aînés qui dans rien. Exactement. Mais Imran Lanou, mais vous pourrez connaître tout de même qu'il y a cette volonté de faire bouger les choses. Définitivement. Cette volonté, elle est là, elle est tangible. Elle est palpable. Ouais. Elle est palpable, certes, mais comment vous dire où nous ne faisons pas focaliser sur la répression. Nous faisons go beyond, c'est-à-dire nous faisons un modèle de société. Par exemple, ça, Dimoun, qui peut prendre synthétique, là, monsieur, mon camarade de là-dessous, Rajan, elle est là, tu mentionnes ça, et Ben Dimoun qui prend synthétique. Qui fait ça jeune, là, mais prend synthétique. Moi, tout le temps, ce que je m'apprends dans l'addiction, c'est que quand nous causons problème à la drogue, c'est la rencontre d'une personne avec une drogue dans un environnement donné. La drogue, c'est la police. Donc, moi, parce que nous travaillons dans le domaine d'accompagnement psychologique et social, nous guettons beaucoup plus la personne humaine, l'environnement. Qui fait ça jeune, là, qui fait ça jeune, là, l'idéal vers ce produit-là. Est-ce qu'il existe une information, une éducation, une sensibilisation pour résoudre ce problème? Parce qu'il y a un établissement de problème, lui. Dans la case, dans l'environnement, sur Mars, avec COVID, ce problème encore plus aggravé. Donc, il y a un grand challenge. Mais, mon corps et mon cire, avec sa synergie-là, entre l'État et la société civile, nous ne pouvons pas adresser ce problème-là parce qu'il y a un problème social, il y a un problème collectif, il y a un problème communautaire. Zis là-dessous, zis gouvernement, pas pour tout à fait. Tout le monde met la main, il concerne tout le monde.
Tekarajen Souben et Dinatsing Mangla, nous connaissons qu'ils nous ont causé là beaucoup de supply reduction, et le travail qu'ils ont pu faire sur le terrain. Nous exploitons bien les autres là. Puisque selon eux, tu es capable de faire encore davantage pour être capable d'amener la lumière au bout du tunnel qu'on peut causer supply reduction. Nous capables de diminuer cette incidence là. Qui selon eux, ben la piste qu'ils ont exploitée, qu'ils escalaient pas fini d'exploiter. Bon, pour dire... Pourquoi nous parlons de l'innovation, là? Nous parlons d'un direct de l'inconnu. Mais toujours est-il qu'il dit bon, nous dit-il. Ouais, l'innovation, c'est vrai, c'est un combat de tout temps. Comment tu peux dire, il y a une diversité de substances chimiques. Il y a la guerre entre ben, trafiquants avec le service répressif. Ce qui fait que ces ben, trafiquants-là, ils peuvent réinventer la, nouveau la drogue. Ce qui fait que nos combats, c'est un combat perpétuel. Et je peux adapter juste à cela. Je peux adapter. Ils sont en avance. Maintenant, on dit que la loi fait une amende trois fois. Et la loi peut être amendée encore là, parce que les autorités peuvent travailler là-dessus, pour capable combattre à sa diversité de drogue, parce qu'il combat contre l'héroïne. Héroïne, héroïnomane, il peut exister tout le temps. Exact. Cannabis, consommateur de cannabis, il vous l'a tout le temps. Mais le danger, le cancer, c'est ça. Consommateurs de drogues synthétiques qui, ban du monde véreux, peut servir pour gagner l'argent, peut abuser, peut exploiter sa ban jeune, juste parce que c'est enrichissant. Maintenant, on peut dire qu'il peut pas exploiter. Maintenant, peut exploiter, par exemple, avec. Il y a une autorité qui peut travailler le anti-money laundering et ben, aussi terroriste. Mais il y a ben la loi, il y a ben une unité qui peut travailler pour guetter ben des gens qui commencent à vendre des gens là, une fin accumule ben richesse. Mal acquis. Mais de pair avec là-dessous, ça vend des gens qui gagnent ben richesse mal acquis là, ils ont besoin d'expliquer. Et ça vend des gens qui gagnent ben richesse mal acquis là, et ce n'est pas ben, ben drogué. Je peux empoisonner une zone qu'ils n'ont pas pu connaître, ils peuvent exploiter cette zone-là, ils peuvent prendre ce l'argent. Ce qui revient un peu à la première question que mon collègue Djalila Senali t'a posée, qui fait pas un gros requin, tout le temps, un petit poisson. Mais nous remontons la filière. Mais maintenant, avec les autres unités FIU, avec les autres unités qui peuvent travailler la richesse, Mais donne-nous la garantie que qu'ils ne peuvent pas penser là, ils peuvent essayer de devancer un petit peu, ça mène fabricant astucieux là. Ça mène fabricant astucieux, mais vous pensez, dans sa direction, si nous parlons de sa direction là, nous parlons à l'arrêt une fontaine, parce que si vous pouvez travailler le ban de richesse mal acquis. Et vous êtes convaincu? Moi convaincu que ça. Dinatsing Mangla, de nous point de vue, la question au niveau. Moi pour Zouen, c'est que M. Souben, il fait dire, et travail là peut faire. À la frontière, nous pouvons faire la contrôle. Dans les ports, dans l'aéroport, dans le service et courrier, nous pouvons faire le contrôle. Maintenant, comment nous bien causer? Ben consommateur peut booster depuis la drogue dure, l'opéal, la drogue synthèse. Les plus bons morceaux. Les plus bons morceaux, et de pas aux autres, vous prendre plusieurs doses pour être capable. Résident Yann, comment nous dire. Mais le travail là peut faire parce que nous avons un comité international et Samlak peut siéger là. Oui, alors qu'il est. Et Samlak, il préconisait qu'il nous faisait combattre le blanchiment d'argent dans Maurice. À la douane, nous avons une section qui est spécialisée là-dedans, qui peut travailler à l'aéroport, nous faire un contrôle, le passager qui bouge à l'Aldeo pour en grande quantité pour aller. Dans le local, c'est-à-dire nous avons une multi-agency unit qui est un comité qui joint, nous partage des informations et où vous trouvez je comprends bien, c'est bien comprendre. Je travaille en réseau. Nous travaillons en réseau. Peut-être, Djalila, avant qu'il nous aborde l'autre question de ben auditeur et téléspectateur plutôt, peut-être nous gagnons le point de vue de la conseillère au bureau du Premier ministre sur la question de supply reduction. Donc, c'est vraiment important, c'est qui comment nous peut causer là, nous peut causer différents aspects qui est important quand nous guettons la réponse à la drogue. Et une réponse à la drogue, c'est supply reduction. Ça veut dire comment nous attaque l'entrée
Et que c'est tout, quand nous pouvons... Mais vous pensez sur le cadre de Poudavi que c'est très important ce plan reduction. C'est même qui est la base des affaires là. Mais nos réponses à la drogue, comme on dit, avant, il est basé sur quatre axes et que le premier axe, c'est ce plan reduction. Donc ça, c'est premier. Bien sûr, il ne peut pas dire que c'est plus important et que les restes moins importants, mais premier axe, c'est ce plan reduction. Et il y a une série d'activités qui... Oui, on entend spécialement, donc vous pouvez dévoiler moi là, ce soir, bien sûr, la stratégie d'une certaine manière, mais vous pouvez rassurer les téléspectateurs qui peuvent être ce soir qui quelque chose peut faire dans ce sens. Tout à fait. Donc, le document, il y a une activité, il est available online. Si vous avez une question, vous avez envie de connaître plus ce qui peut passer, il y a une page Facebook, National Drug Secretariat, qui est encourage-toi, t'en fais. Est-ce que le public amène ce suggestion, ce commentaire? Bien sûr, il y a... Moi, je pense que plus facile, comme Imran peut dire, il est plus facile qu'il contacte une ONG ou dire, voilà, tu envie d'engagement dans la ligue. Et en même temps, dénoncer aussi, pourquoi pas? Bien sûr, il y a une hotline, peut-être là-dessus, capable de porter à ce hotline. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est anonyme. Ça veut dire pas forcément, il y a des gens qui disent, ah, mais attention, tu as fait comme une vingette pendant mon case. Monsieur ici, pour capable de rassurer les gens quand je peux dénoncer sur le hotline. Mais moi, je peux dire, si j'ai une suggestion, de proposition, de nouvelles politiques sur la drogue, il y a plusieurs plateformes. Donc, mon site est un peu mon association, mais on a aussi page Facebook, on a le National Drug Secretary, on a un numéro de téléphone. Et encourager parce que là, c'est une réponse citoyenne qui nous vise, que Dimoun n'a pas dit, voilà. Parce que la réponse à toi qui passe, c'est consommateur et mon institution, mais c'est aussi comment on est capable de combattre la pauvreté, comment on est capable de combattre l'inégalité qui existe. Violence aussi. Gender-based violence. Parenting skill, donc mon service, comment faire mon Dimoun gagner mon skill pour être des bons parents. Donc tout ça là, l'englobe pour qui est Dimoun. Voilà. Très bien. Jayla, nous avons une série de questions avec vous. Oui, il y a beaucoup de questions qui peuvent rentrer, Thierry, par SMS ou WhatsApp, le 59 44 69 00. D'abord, comment Imran Danouf mentionne l'Italie là, donc qu'un meurtre officier Dimple Ragou. Et ça, c'est une question qui est adressée à Tegarajan Souben. David de Petit Verger peut demander si tu as un des officiers qui t'ont tiré pour arrêter sa bande trafiquant. Là. Beaucoup de gens nous posent cette question là. Hein? Non, c'est complètement faux. Vous connaissez une opération de là-dessous. C'est une opération qui montait en avance. Maintenant, on a la réalité du terrain. On a une opération qui, si on gagne l'information bien avant, où on a suffisamment de temps pour préparer les ressources nécessaires, maintenant, on a le type d'opération qui, par exemple, on gagne une action soudaine. Je ne sais pas pourquoi ça, l'opération quand il amène la mort de nos regrettés collègues, mais c'est même pour dire où, qui, à dessous, quand ils font l'opération, et ce qui public, il gagne, je pense, public, il gagne ça le WhatsApp, et il gagne une certaine image, une partie que certaines personnes de là-dessous peuvent opérer. Mais dans la cour du code de incident fin arrivé, il y a plusieurs officiers qui ne vont pas dire combien, parce que ça, il pourrait être confidentiel, mais c'est même pour dire une opération bien ficelée, mais c'était la malchance qui fin arrivé. Et il y a aussi Vikram depuis Vakwa qui peut dire qu'il réussit de monter un pseudo-laboratoire à la drogue synthétique suite à décès sa officier, donc Dimple Ragoula. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça depuis avant? Est-ce qu'il attend un drame avant qu'il passe à l'action? Vous connaissez, Saban, comme mon collègue Mangla, tu peux dire, vous connaissez, il y a la loi, comme tu peux dire aussi, la loi qui peut amender, parce qu'il y a un attirail qui Saban. Qui, dans sa réseau-là, qui s'est avis, qui la loi partit encore une provision pour qu'on arrête sa mandimoun là avec sa mandatirail là, pour qu'on puisse poursuivre. Maintenant, il y a un cas quand nous arrivons, quand nous gagnons la tirail, quand nous gagnons le précaire, mais c'est une substance. C'est une... Par exemple, je vais donner un petit exemple. Si comme M. Manglain dit, vous connaissez la drogue synthétique, elle ne vient pas en grande quantité, elle ne vient pas en petite quantité. Par exemple, à l'aéroport, dans Pat, il vient en 10 grammes, 50 grammes. Mais 1 gramme avec la drogue synthétique, je fais 300 grammes. C'est-à-dire, je prends un précurseur, de mélanger avec feuilles de tea leaves, avec benzine, avec d'autres substances. Mais ça n'a pas appelé le laboratoire. C'est un criminel qui peut prendre ça, qui peut mélanger et qui peut donner une jeune pour absorber ça sans qu'ils aient que je peux absorber. Ce qui fait que, je ne vais pas dire un laboratoire, je vais dire une place. Que si c'est un mélange, c'est parce que ça m'a dit, je veux une connaissance chimique, je veux faire un mélange. Mais malheureusement, dit comme ça, mais si demain, avec les autorités de Nougain, ça m'a la loi qui est en vigueur, que pour capable sévir contre ça m'a dit, par exemple,
si vous rentrez dans la caserne du monde, vous pouvez gagner beaucoup d'idées, beaucoup de la part d'idées, beaucoup de origan, beaucoup de benzine, beaucoup de saman, mais qui ne sont pas capables de poursuivre saman du monde actuellement. Mais vous pensez, dans les jours à venir, avec l'application, une nouvelle loi qui peut venir, vous pouvez assez bien conserver du monde. Vous pensez au virage oui, par rapport à ça, rapidement. Donc, vous pensez par rapport à, aux problématiques des drogues de synthèse, nous, une bonne recommandation forte qui le rapport Lam Changling énoncé, c'est amener un débat dépassionné sur le cannabis. Hein, amener un débat dépassionné sur le cannabis. Et là, vous pensez, les grands temps, que les autorités réfléchissent sérieusement, en profondeur, sur le cannabis. Hein. Très, très important. Donc, on a la Réunion, par exemple, très bientôt, à partir de mai, je regarde de l'avant, avec développement cannabis médical, hein, médical qui est différent. Traitement thérapeutique. Thérapeutique. Mais vous pensez, nous besoin. Bon, déjà, quand même, une autre recommandation qui m'a trouvé, les autorités commencent brainstorm, là, c'est le Drug Offenders Assessment Panel, qui est très, très offenders. Bon. C'est-à-dire, retirer un consommateur de drogue dans le circuit du criminal justice system. Et là, pour parler, qui a commencé avec le Attorney General Office, l'ONG a participé, très intéressant, mon pensée est très, très intéressant. Moi, mon pensée, pour moi, hein, qui est dans le domaine de réhabilitation, ça, c'est une recommandation forte, et moi, je suis content, nous capables d'implémenter, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'implications, la loi, nous avons réfléchi, là, mais donc, par rapport au cannabis, nous avons décidé, parce que nous avons imaginé qui, par rapport à ça, qui l'attitude qui nous politique, nous avons un rapport au cannabis. Nous avons imaginé qui modèle, un modèle mauricien, qui nous pouvait faire par rapport au cannabis. C'est vrai qu'il y a un consommateur de cannabis, mais un first-time offender, en général, ce n'est pas le cas d'azole, je te gagne la manne, mais c'est la manne, là, il rentre dans ce dans autre casier judiciaire. Donc, les grands temps qui nous commencent à réfléchir, la dépénalisation, la décriminalisation du cannabis, commence une réflexion par rapport à ça, prépare l'opinion publique, parce que nous allons nous parler, c'est entre le cannabis avec le synthétique, c'est le ciel à terre. Très bien. Donc. Les invités, nous pouvons causer pendant des heures et des heures sur la question. C'est vrai, les temps pèsent contre nous, Djalila. Nous guettons un petit coup. Nous connaissons, je suis unanime pour reconnaître que la drogue lui crée un ravage dans une famille énorme. Nous, ensemble, nous guettons la souffrance de ces quelques personnes qui nous finissent interrogés. Donc, nous pouvons essayer de mieux comprendre ça. Et après, nous pouvons relancer la discussion. Il y a un choc quand on connaît mon garçon inaltement synthétique. Parce que toute la drogue, moi, je connais. Et quand on rentre là-dedans, facile, mais pour sauter là-dedans, extra difficile. À ce moment-là, moi, je suis narcissé, comment dire, je n'ai plus connu que je mon sentiment, comment dire, moi aussi, je suis perdu de l'enfer. Ça fait les kiffs, fait mal terrible ça. Mais je connais que beaucoup de parents peuvent pas, beaucoup, je peux souffrir beaucoup pareil que maman, je souffre comme ça. Malheureusement, j'ai eu un choc quand j'ai connu mon garçon inaltement synthétique. Quand on est dans synthétique, il commence à abandonner tout. Il n'a pas donné l'argent à la maison. Et un jour, il me dit franchement, je ne marque pas chance. Je dis qu'il m'a causé blessant, qu'il n'a pas de cause avec moi. Il n'a pas venu de cause avec moi. Et là, moi, ça fait moi souffrir. Nous, l'enloi, c'est un empiré. Empiré, et vous connaissez ce qui ne plie pas bon, le soir, je vais faire une nuit. Combien de fois on fait la dénonciation? Combien de fois? Et tout ça, ma jeune, là, je suis sorti de loin, loin, je suis dynastie. La dame qui m'a trouvé, moi, je suis déjà venu dire un miché comme ça, ou pas honte, moi, une jeune madame venu, je suis venu attaquer, si je ne suis pas sorti, il y a un bijou au lit. Moi, je n'ai pas honte. Je t'amène une jeune madame sur une motocyclette. Ma fille à l'école, prend une uniforme, peut monter, les retourner, les chagriner encore au reste. Je demande ça va du monde qui peut vendre ça là. Et les peu souffrance. Je peux enrichir. Ce qui m'a crié fort, moi, je peux enrichir. Mais beaucoup l'homme peut verser l'eau. Qui ne savent pas pour durer. Parce que quand du monde peut verser l'homme, c'est qui nous paye ça. L'argent, il est là. Il est pour deux jours seulement. Mais il y a un problème. Nous pouvons dire que ça vient. Mais moi, j'ai faux. Nous devons arrêter. Laisse-nous le pays, le monde entier vivre en paix.
Ça, ce n'est pas une solution, ça. Ça, ce n'est pas faire nous faire l'argent. Nous sommes capables de travailler pour nous gagner l'argent. Mais ça, il détruit la famille, il détruit le pays en entier. Parce que tout la drogue, moi, je connais. Et quand on rentre là-dedans, facile, mais pour sauter là-dedans, extra difficile. Depuis arrivé dans l'état, moi, je crois impossible pour moi de sortir. Mais c'est un événement qui m'a passé là. Quand ma famille me dégoûte, moi. Quand mon mari a perdu madame, mes enfants, perdu la case. Puis ma famille, et quand je viens devant la porte, quand je dis, vas-y, je me fie, moi. Je me trouve tout ça là, mais arrivé dans l'état, je me aussi. Mais je sens à l'environnement qui m'était avant là. Je me donne l'autre environnement. Et je me trouve, moi. Et je ne sais même pas quoi, c'est moi. L'impossible, quand je me dis, je suis dans la drogue, l'impossible. Mais je me fais des efforts. Comme on a connu, il peut fumer la poudre, il tire ça trop tard. Mais à ce moment-là, je me dis, je suis en comment dire, mon épi qu'on écoute m'été. Mon sentiment, comment dire, moi aussi, mon père l'aime l'enfer. Il n'est plus où les manger. Il commence à guette passer, il guette partout dans la case. Mon misère vive, comment dire, mon père veille. Quand il est là-bas, moi là-bas, quand il est ici, moi ici, mon veille. Là, moi, je suis dans mon instancile, il commence à prendre. Mais il peine prendre mon argent. Mais il prend mon instancile, il commence à le vendre. Et ça me fait il dans la tête. Moi, j'ai dit, qui te peut refaire de la vie? Il dit, moi, lui-même, il me plairait. Il dit, oh, mamie, excuse-moi, mon coquin, toi. Même moi, dormi, ça l'a coulé, l'homme, l'homme, j'ai signé. Qui m'a besoin de faire? Quand m'a besoin d'aller? Mon sagrin, quand moi, tout même dans mon endroit, sa quantité zen qui dans la drogue, là, ça fait l'équipe faire mal terrible, ça. Mais je connais qui beaucoup parents peuvent pas, beaucoup, je peux souffrir beaucoup pareil que maman, moi, souffrir comme ça. Il est capable, peut-être, mon coquin, pour souffrir, mais moi, pas pour baisser, vraiment, pour continuer, mon zoli. Les témoignages très poignants donc, de Saben Ndimoune qui a souffert donc, de ses proches qui dans consommation. Tegarajen Souben, qui fait nous trouver, derrière Madame Lafindjeli de ce témoignage, Lili Fina le courage d'aller dénoncer. Qui fait d'après vous, Ben Dimoune, dans l'environnement, dans le quartier, Ben voisin, vous êtes payé pour le dénoncer qui, c'est représailles, c'est qui Ben facteur qui fait cette payé à le délavant hein? C'est tout le Ben quartier, nous dit Ben quartier un petit peu chaud hein, d'une certaine manière. Connaît tout le temps nous l'encourage. Ben Dimoun, la population. Parce que, comme la dame finit de dire, là-dessus, pas pour travailler en solo. Mm-hmm. Tu travailles avec des différentes unités, par exemple la douane, les ONG, comme a pu dire, il y a reduction supply, demand supply, reduction demand avec les supply. Mm-hmm. Mais aussi, ça, ben, comment je vais dire, ça, la drogue synthétique qui peut gagner là, hein. Par exemple, ça parent peut souffrir. Hein. Ça, la drogue synthétique là, ça peut faire trop beaucoup de dégâts. Mm-hmm. Tellement de dégâts qui, par exemple, je peux dire une affaire, je peux dire une no-go-yaya. No-go-yaya, il y a no-go-yaya pour la police. La police n'a une permanence assidue au terrain. Mm-hmm. Là-dessous, il y a plusieurs unités au terrain. Parce qu'il possible nous t'en dit, hein, la police n'est pas venue ici, la police a un père pour mettre les pieds. Non, mais moi, nous connaissons cette cause-là. C'est une mauvaise perception, moi, je dis, la police. Vous dites bien, c'est une perception. C'est une perception. OK. Dimoun, la police, il y a plusieurs unités. Par exemple, il y a environ, dans chaque police district, il y a une unité de là-dessous qui sévit. Mm-hmm. Et on a une section qui patrouille du matin au soir. Et 24, je dis, 24 temps, sévit. Maintenant, Dimoun perd, parce que nous rassurons Dimoun qui nous donne une présence. Mm-hmm. Nous payons Asia comme un déterrain. Nous, Dimoun, capable de venir vers nous, donne-nous l'information. Et Modio, il a fait un quantité social informer. Nous avons un social informer, nous avons un pays informer, nous avons tout type de. Nous avons envie de donner à la population sa confiance qu'ils sont capables de venir vers nous. Et toute information qu'ils peuvent donner à la police, toute cette information, elle reste confidentielle. Et d'ailleurs, il y a un numéro de téléphone, nous capables de donner un numéro de téléphone, qui est capable. Communique avec la police et la police peut agir en conséquence avec le renseignement que je vais donner. Et juste pour rassurer les citoyens, puisque la guerre contre la drogue, ce n'est pas la guerre là-dessus tout seul, ce n'est pas la guerre, monsieur Danou, c'est la guerre tout du monde, ça. Mm. Nous devons protéger nos enfants. Et moi, je dis, plus la guerre, ça parent,
la guerre, ça parent là, qui besoin protéger ses enfants, il besoin venir vers nous. Si vous trouvez quelque chose d'anormal, il besoin venir vers nous. Alors nous faisons un appel au grand public, venez vers là-dessous, donne-nous l'information, nous pourrons agir en conséquence. Nous dehors, Bandou avec Imran Danou, donc nous essayons de comprendre ce qui peut amener la lumière au bout du tunnel, où nous besoin l'aide de ben national agencies, ben international agencies, et ben acteurs qui sont capables de mener main forte dans ce combat-là. Tout un chacun, hein, comme tu disais préalablement, veut dire c'est une problématique sociétale communautaire, besoin d'une réponse communautaire. Et parce que vous m'écoutez, Rajan Bekouzé, de là-dessus, parce que combien vendait la drogue dans un pays là? Peut-être une centaine, je ne pas connaître. Peut-être une décent. Nos populations maurice combien? 1,2 million. C'est 120 vendeurs à la drogue qui ne prend pays en otage. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une réponse collective. Vous pensez à une affaire quand vous avez causé, M. Radian, c'est que peut-être vous pensez, le community policing, c'est un concept qui peut-être nous a vulgarisé plus. Vous pensez à un concept qui nous a vulgarisé plus pour que du monde gagne confiance au niveau. Parce qu'au niveau de la perception, du monde a pensé, pas fait assez. Et parce que moi, je connais qui travaille de BFR, et on a entièrement raison, mais tu peux dire que ben descente qui vous fait, il besoin baser l'intelligence. Après, vous n'êtes pas capable d'arrêter du monde qui ne connaît pas la loi. Vous n'êtes pas capable de rentrer que tout, moi et tout, mais dis-moi, vous poursuivez-moi. Mais c'est moi, Thierry, il y a une affaire bien, bien complexe. Tout du monde, parce que personne n'est pas à l'abri, Thierry, c'est que du monde vient comprendre. Personne par la vie du monde, je vous dis, un ben gros problème qui nous fait, malgré tout le travail qu'il est capable de faire. Du monde en quoi indifférent. Vous sentez-le, hein? Oui, du monde en quoi indifférent. Je vous dis, nous trouvons féminisation, nous trouvons un rajeunissement. Nous trouvons, je vous dis, il n'y a pas un problème périphérie des villes, il y a un problème national, village, la ville. Je vous dis, nous trouvons le niveau classe sociale, il n'y a plus un groupe vulnérable, il est monté en apex. Mais tu dis, il me fait concerner tout le monde. Alors, il faut que je dise, dis-moi, bien, évidemment, la police, c'est ce fonds de commerce, c'est lui qui besoin adressant, mais c'est moi, nous besoin d'un coup de main à la police. Et là, moi, pensez, monsieur Rajan, besoin communiquer. Vous pensez, besoin communiquer. Chaque fois qu'il y a une arrestation, communiquer. Côte-la-Brooklyn, est-ce qu'il y a une saisie? Communication. Nous reconnaissons quand même qu'il y a une mort. Oui, définitivement. Que ce soit au niveau de la police ou de l'MRA, mais vous êtes communiqué plus aisément. Oui, certes. Mais quand on a une question, question qui relève de la suspicion. Mais nous avons besoin d'adresser. Aplanir les choses et clarifier. Nous avons besoin d'adresser cette suspicion-là. Très bien. Jalila, peut-être une dernière question avec vous. Oui, Thierry, nous avons une question, pas juste depuis Maurice, mais aussi depuis La Réunion. Christian, qui peut dire que l'autorité passe à l'offensif, pas juste avec les trafiquants et les consommateurs mauriciens, mais aussi avec les pays producteurs, à côté de la drogue, qui sont sortis et rentrent de Maurice. Christian, on connaît la drogue, côté de sorti plus. Et qui peut faire pour ça? Écoutez, il y a. Bon, il y a une coopération nationale, régionale et internationale. Il y a des agences qui sont là-dessous. Et vous connaissez, les membres de là-dessous ont beaucoup de conférences internationales et régionales. Il y a une coordination raffinée et de partage de l'information. Je vous dis récemment, il y a une drogue qui transitait, pour donner un exemple, il y a une drogue qui transitait vers Maurice, qui nous dessinait vers les Seychelles, qui nous dessinait vers Madagascar, qui là-dessous, fin refile l'information aux bonnes autorités concernées, Seychelloises et Madagascar, qui finit avec l'arrestation. Mais peut-être les autorités Seychelloises, non, nous avons l'information là, mais nous payons ça au grand public, même les autorités réunionnaises, les autorités sud-africaines, de nous donner l'information. Et moi, je dis, même, il y a récemment, à travers un service courrier, il y a un gros parcelle qui est venu de Maurice, mais à travers relations, coopération, communication entre les autorités inter-asile et inter-pays, que finalement, ça intelligence. Mais seulement, travail à faire, seulement. Ouais? Juste pour rassurer ça, M. Kin pose la question. Merci pour la question. Donc, les invités nous connaissent qui, les temps pèsent énormément contre nous, mais quand nous cause combat la drogue, valait 10 jours, quand nous cause depuis quelques années, ces affaires synthétiques-là, vraiment, l'IP interpelle beaucoup d'immunes, beaucoup mauriciens. Nous finissons justement dans le centre d'accueil Terre Rouge pour Alzouen and Jeune. Qui peut amener ce témoignage, l'eau, la drogue synthétique, et que nous avons le responsable du centre aussi qui réagit
par rapport à cela. À nous guetter en image. Depuis un peu de temps, nous pétons cause la drogue synthétique. L'iparète qui beaucoup aînés s'épérante là-dedans, sans même qu'une bonne complication qui l'y provoquait. Pire, ce fabrication bancale. Toute qualité mélange met là-dedans pour qu'il ça crée plus sensation. Nous finalons dans le centre d'accueil Terrouze pour joindre un aînés qui t'y consomme l'y, exaudit l'y dans réhabilitation. Une fois qu'on filme ce mec, ou un man pressentiment, ou cavale à suicider parce que la tête il a des affects. Par contre, moi, je ne sais pas, la tête, ça battait, ça redéclatait. Une fois, on me aussi, on me de les aider ou aller. Mais ou un man hallucination incroyable, même ça. Il faut dire que j'ai une vie volée qui vous connaît. Et là, c'est mieux qu'on arrête, parce que je parle de moi, parce que je me trouve beaucoup quand je fais une overdose, ou c'est mieux. Je réfléchis, je me rends compte si je continue, si je ne peux pas perdre la vie. Parce que tu m'arrives fou, tu m'arrives puissant, hein, parce que l'idée est très importante. Parce que pour les affaires, nous ne connaissons pas qui va nous fabriquer ces affaires. Nous répondons oui, mais nous ne connaissons pas qui. Nous ne disons pas les managers, ils ne mettent pas poison, les races, pas guider, mais nous ne connaissons pas. Nous disons consommer, nous disons que le problème, c'est ni ça. Travailler social dire qu'il est difficile pour handle la situation. Demande d'admission peut augmenter jour après jour. Ici dans Terrouze. Dealer, trafiquant, je tout peux pousser comme un champignon. Pire, composition synthétique, c'est ça qui peut poser problème. Li parfois, motel. Ben sent comme ici dans Terrouze, peut continuer le travail, réhabilitation, bon gré, mal gré, pour tiezenes dans la peine. Un défaillement de man du monde qui peut consommer synthétique. Et ça peut mettre dans l'embarras parce que man symptôme qui m'en a pas gagné, les bizarres. Il y en a beaucoup de parents qui peuvent venir là et raconter qu'ils ont des enfants viennent agressifs, violents, peut taper, peut craser, peut prendre une bande d'affaires dans le frigidaire et le vendre. Une composante avant de produire est difficile pour connu. Dans le sens que nous pouvons donner un traitement médical, mais le traitement n'est pas trop passé. Il y a une substance qui doit mettre là-dedans, nocif, et qui peut faire vraiment dégâts. Auparavant, tu peux gagner 5-6 personnes. Maintenant, c'est une quinzaine, une vingtaine tous les jours qui veut venir. Et le plus étonnant là-dedans, c'est qu'ils m'ont dit, Mona, je vais sortir seulement dans la ville, dans mon coin et raccoin de l'île Maurice, qui est très difficile pour nous faire face. Ben, nous avons besoin qu'ils soient ensemble, pourquoi si nous sommes tous dans la même direction, parce que l'ampleur de la drogue, définitivement, pas plus qu'on est comment pour dire ça. Nous revoilà en plateau avec un nouvel invité, Dinating Mangla. Nous connaissons qu'il a aimé déployer les grands moyens pour amener ce coup de main dans sa combat-là. Nous, merci pour passer la parole. Nous désignons suffisamment bon équipement. Et avec Sipo, Board MRE, avec Sipo gouvernement, avec Sipo, nous avons directeur général, directeur et tout ça, nous pouvons investir en cours. Nous pouvons acheter en cours scanner, nous pouvons acheter en cours bon chien renifleur. Nous désignons des drones. Et ça peut poser ses fruits. Et ça peut poser ses fruits. Et sa coopération qu'il y a entre différentes law enforcement agencies, il y a beaucoup. Nous avons une coopération régionale, nationale, internationale. Comme M. Souven fait dire tout à l'heure, nous avons un passage d'informations qui nous fait pas nécessairement officiellement, nous fait par un groupe WhatsApp. Nous passons des informations. Nous passons des informations. Nous passons, il y a la drogue qui finit arrêtée avant qu'il rentre Maurice. Il y a la drogue qui passe même par Maurice, puis elle dans le pays qui marche chez elle, Madagascar. Nous faisons bloquer la même, après, nous faisons un international control delivery. Très bien. Mais le travail là peut faire. Et nous sommes capables de rassurer. Quand nous avons un reportage, une famille qui peut souffrir là, c'est l'appel que nous sommes capables de faire. Il y a des gens qui dans sa business là, nous avons des autres qui, malédiction, des gens qui sont victimes, ce parent qui peut souffrir. Ça va être malédiction, il peut ôter ça. Alors, avant de faire des affaires pareilles, pense bien avant les trop tard. Parce que les autres n'ont pas de mains. Si les autres ne peuvent pas payer ça, les enfants vont payer ça. Imran Danou, donc, collaborative approach, est essentiel pour venir à bout. Essentiel. Et, Moudjeli, déjà, nous, depuis décembre 2019, up to now, nous vivons la pandémie du COVID-19.
Et quand nous guettons l'engouement, la détermination, tout le monde est faux, qui gouvernement Maurice nous fait, et vous faites lire la gazette, vous trouvez Mme Gobé dire, quand même, nous COVID safe. Mais vous pensez, nous besoin déployer tout ça, même zèle sanitaire, politicienne, nous besoin combat contre la drogue, nous besoin, pareil comment nous faire pour adresse COVID, parce qu'il a affecté nous santé, nous l'économie, etc. Mais la drogue aussi affecte nous la santé, nous l'économie. Vous pensez, mon résumé, nous avons besoin de tout mettre nos efforts ensemble, mais même l'engouement, même l'investissement que nous mettons pour combattre COVID, nous servons le même modèle pour nous adresser la problématique de drogue. Et voilà. Ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas compliqué, à mon avis. Très bien. Coopération, différents law enforcement agencies, c'est aussi essentiel. Très important, Thierry. Et beyond ça, ce n'est pas juste man law enforcement agencies, c'est tout man portail. Il m'a révélé l'autre à point. Qui le citoyen, ça Mauricien qui peut écouter nous aujourd'hui là, l'ici il besoin engagé dans la lutte. Même n'est pas une consommateur, même n'est pas qu'une personne qui est une consommateur, il y en a ce petit pierre qui est capable d'amener ce petit contribution justement. S'il connaît qui ken, s'il connaît comment il est capable d'avoir l'information, il y a une tizaine pour aller battre des coups de football dans ce quartier, il y a une jouer badminton, il suivre, il quitte ses man fréquentation, il reporte. Si ou en tant qu'un parent, on veut suivre une formation pour devenir meilleur parent, man parenting skills, il est available. Donc, recherche cette information. Si un dimoun, il réussit à écouter cette information, il réussit à écouter cette émission-là, mon message, lui, là, c'est suivre mon service qui est là, contacter mon autorité, si j'ai envie qu'on puisse information, et surtout si j'ai envie de joindre mon ONG, j'ai envie de joindre mon ministère, mon représentant du ministère, qui est là, mon service que je peux donner, pas hésiter à taper sur la porte là, parce que combat la drogue, il y a un combat national. Très bien. Et Tegarajen Souben, donc la police papé baisse vigilance d'un cran, donc les poids cheval, comme à l'accoutumée, je reste sûr. Nous vous restez ses dents, comment nous dire hein? Nous prenons définitivement, nous finissons résumé ça que moi je veux dire, c'est-à-dire nous prenons toujours la vigilance, nous vigilance pas pour baisser. Maintenant, il y a qui peut arrêter de travailler la police, la répression, l'image de paix avec l'éducation, certainement, mais la répression est de mise, vis-à-vis de la répression. Vous avez arrêté sa bande de monde qui peut empoisonner sa société, Maurice. Très bien. Donc, nous finissons comprendre le bien invité, Djalila. Le message est clair. Donc, il y a cette volonté pour faire changer la donne. Donc, nous connaissons aussi qui est une hotline, qui est une capable de dénoncer. La police, c'est une hotline au niveau de là-dessous. Nous connaissons au niveau de la MRI, c'est une hotline Stop Drug 89-58, qui est capable de téléphoner pour passer le message. Voilà, nous l'émission tire à sa fin ce soir, bien plus longue que d'habitude, exceptionnellement ce soir. Merci les invités. Je fais une réponse à nous l'appel. Et merci à vous, Djalila. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci encore une fois à mon invité et merci à tout bande de monde qui vient suivre nous et qui vient participer dans cette émission-là à travers cette bonne question. Merci à toute l'équipe de la réalisation chapeautée ce soir par Bimsen Konaïdos. Merci et excellente soirée sur les chaînes de la MBC.